Alors, en direct de la Prachatrala que nous faisons pour la Hilula de Relvenu Bezrat Hashem. Pour le retour de tous nos soldats, Hayalim, les prisonniers aussi, retenus, la réfoua pour tous les malades, Bezrat Hashem, Bezrat Hashem. Alors, on a fait la Prachatrala. Et dans cette afrachatrala, on a prié et on a dit que quand une femme fait l'afrachatrala, eh bien, elle donne de la force dans tout ce qu'elle fait. Et nous, aujourd'hui, on donne de la force avec l'aide de Dieu, eh bien, à tous nos chayalim, que ce soit un mérite pour eux, Be'ezrat Hashem, que ça protège tous nos enfants, tout le Ham Israël. Que nous puissions faire une ardoute avec nous-mêmes et avec les autres, que nous jugions positivement. Nous avons mis des ingrédients comme la levure qui est comparée à la teshuvah. Celui qui tombe peut remonter. Hachem aide, aide-nous à faire des mitzvot, aide-nous à être humbles, à faire mes sirut nefesh. L'huile que nous avons mis, eh bien, elle remonte dans l'eau, elle flotte. Et donc, nos soldats vont remonter vivement, vite fait, vont revenir à la maison avec victoire. Et même si notre peuple a fauté, Hachem nous a tout pardonné. Donne-nous beaucoup de force à Kadosh Baruch Hu, à notre corps. Bezrat Hashem. On a mis aussi du sel et on a demandé à Hashem d'enlever toutes nos clipotes. Et tout ce mélange avec la pâte et le sel va donner au Ham Israël l'équilibre et la force. Hashem, aide-nous à mettre des limites à nos défauts et jeter notre intellect lorsque c'est nécessaire à Kadosh Baruch Hu, par le mérite également de Rabbeinu Akadosh, Bezrat Hashem, que toutes nos paroles, nos forces soient toujours mesurées avec notre cœur. On a ajouté de l'eau. L'eau, c'est la Torah, c'est la propagation de l'infini d'Akadosh Baruch Hu. Elle peut tout nettoyer dans notre corps. Et notre Neshama a enlevé toutes les clipotes. Hachem, que nous ayons le mérite de nous attacher à ta Torah et de nous repentir avec amour. Nous sommes des Chayalot. Grâce à notre filot, nous participons à la guerre. Grâce à notre filot, grâce à nos mitzvot. Et nous sommes aux côtés de tous les Chayalim. Et nous demandons à Kadosh Baruch Hu de nous y aider, de nous avoir donné une bouche pour dire de bonnes paroles, avoir toujours des bonnes paroles et faire la différence avec tout ce qu'il ne faut pas dire. Voilà, que tout cela, eh bien, que toutes les femmes, nous puissions arriver au niveau de Rachel Imenu Be'ezrat Hashem. Voilà, je vous embrasse bien, bien fort. À plus tard.